Coucou. Comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve en cette fin de soirée pour le tout nouveau titre d'un chanteur solo coréen que j'apprécie énormément. J'ai nommé Won Sung et son nouveau titre, comment je le prononce, Dimples. J'avais adoré Lazy. Après j'aime tout ce qu'il fait avec le band groupe The Rose, mais est-ce qu'ils vont revenir ensemble? Franchement je ne sais pas, mais en tout cas j'aime tellement sa carrière solo. J'ai eu l'occasion de les voir deux fois en concert sur Bruxelles, et lui je peux vous dire qu'il a un truc sur scène, il vous envoûte mais de malade. Donc là franchement j'ai tout simplement hâte de voir ce nouveau titre, ce nouveau single. Tout simplement le teaser m'a donné de l'eau à la bouche, ça je peux vous le dire. Et c'est parti, je vais découvrir ce nouveau titre et cette MV. Go go go. Toujours ce style rock un peu excentrique mais en même temps classe à la fois, tu vois. Lui quoi. Chouette, il y a déjà les sous-titres en français. Ça fait très très disco, hein. Rétro en même temps. Ouais, bon, c'est clairement une chanson d'amour-séduction vis-à-vis d'une fille. Il y a vraiment beaucoup de détails sympas, comme là ces pas qui sont argentés. Très belle transition. En fait, depuis qu'il a vu ce petit poisson magique, c'est un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, mais un peu fait autrement, tu vois. Ça, t'as ce poisson, dans Alice au Pays des Merveilles, t'as ce lapin. Il est un peu dans un monde, il dit, je suis où en fait? Qu'est-ce que je fous là? On retrouve ce truc argenté. Est-ce que c'est peut-être sa porte de sortie? On va dire que je suis dans le thème avec mon t-shirt, enfin gris plutôt. On va pas dire argenté. Comme si c'était elle, l'être mystique peut-être, ce petit poisson, mais en forme humaine, tu vois. Claire, il parle simplement de la femme qui peut le faire mais chambouler dans tous les sens du terme quoi. J'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait sur ses doigts. Ouais, c'est une très très belle scène dans l'eau. Hein. Coucou. Franchement, les transitions et tout, elle l'emmène quelque part, mais où?
Eh bien, que dire sur son nouveau single? Ah ben, j'adore tout autant que Lazy. En fait, j'aime tout ce qu'il fait. Voilà, c'est vraiment une perle musicalement parlant, mais au niveau de sa texture de voix, je suis à chaque fois, pardon, en mode, mais vraiment pontoise. J'ai mes yeux comme ça, mes oreilles comme ça, tout mon être en clair. J'aime beaucoup l'esthétique du MV. Franchement, le poisson, ça doit être cette jeune femme, ce poisson en forme humaine, comme si elle est, il l'emmenait en fait dans un autre monde. On dirait une sorte de conte à la Alice au pays des merveilles, mais un petit peu customisé, mais à sa manière, tout simplement à son style. J'aime beaucoup ce côté très disco rétro, que ce soit en termes musical, mais même au niveau du MV, même en tenue vestimentaire, toutes ses couleurs. J'aime beaucoup son jeu d'acteur. Franchement, j'aimerais bien le voir dans un drama ou dans un film. Franchement, on voit qu'il s'épanouit tout simplement en solo, mais j'aimerais tellement quand même un retour quand les autres membres de The House reviennent de l'armée, tout simplement, qui nous reviennent. Je sais pas avec quelle agence, parce que avec l'agence actuelle, ils ont été carrément devant la cour et tout, mais apparemment, ils n'ont pas eu gain de cause, malheureusement, mais plus le label. Non, je suis presque pas énervée. Donc franchement, je sais pas dans quelle situation. J'espère en tout cas que tout va être réglé, parce que j'ai hâte de les revoir ensemble. Mais bon, on a déjà la chance de le voir en solo, et je peux vous dire que c'était juste une pépite, que ce soit esthétiquement parlant, et même cette chanson qui était génial comme ses précédents sons. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout autant que moi son nouveau single, également l'esthétique du MV. Est-ce que vous, vous avez compris autre chose du MV ou à peu près la même chose que moi? N'hésitez pas à me dire ça, tout ça en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous, surtout une très très bonne fin de soirée. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Nara. Loving you got the best.